Matthieu au chapitre 22 plutôt. Merci. Alors, je voudrais vous situer un peu le contexte. Avant qu'on ne puisse lire à partir des versets 34 à 40. Jésus, qui fut envoyé par Dieu sur la terre pour apporter la délivrance de l'humanité et la restauration de la relation de l'homme avec Dieu qui avait été endommagée, détruite même, par le péché d'Ève et Adam dans le jardin d'Éden, a eu un ministère extrêmement puissant, impactant dans sa génération. Et vous voyez, lors de son ministère terrestre, Jésus a été victime de plusieurs oppressions, de plusieurs attaques, de plusieurs pièges qui lui ont été tendus par les personnes qui étaient tout autour, et principalement par les religieux qui étaient dérangés par l'impact et l'influence croissante de son ministère dans sa génération. C'est ainsi donc qu'un jour, un groupe de ces religieux appelés les Sadducéens, qui ne croyaient ni en la résurrection des morts, ni aux anges, vont donc poser une question très intelligente à Jésus en disant, il y avait un homme qui avait épousé une femme et il est mort. Et après donc, ses frères se sont succédés et tous les sept sont morts et la femme est restée en vie. Maintenant, quand elle va mourir et qu'elle ira au ciel, cette femme donc deviendra la femme desquels de ses frères? Et là Jésus dit, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Et il leur dira, écoutez, au ciel, il n'y aura pas de mariage parce qu'au ciel, les hommes seront comme des anges. Et donc, il les a réduits au silence. Et c'est après ça, ayant vu que le groupe des Sadducéens avait été réduit au silence, que maintenant les pharisiens, qui se pensaient élevés en connaissance, que les Sadducéens sont venus maintenant poser à leur tour la question fatale. Lisons à partir du verset 34 à haute voix ensemble. On y va. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence, les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, fit cette question pour l'éprouver. Mais, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Père, merci pour l'onction qui réside dans ta parole. Merci pour la capacité qui est en moi pour être à même l'enseigner avec des mots adéquats et la puissance indispensable pour que ta parole éternelle fasse de l'impact dans les vies et que ton nom soit glorifié au milieu des hommes. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dise Amen trois fois. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Dans le thème du message de ce matin, c'est Dieu te pose une question. M'aimes-tu vraiment? Dieu te pose une question. M'aimes-tu vraiment? Vous savez que Dieu a pour coutume de poser des questions. Et un jour, il a posé la question à Ève et Adam plutôt. Adam, Adam, où es-tu? Pas parce qu'il ne savait pas où Adam était, mais parce qu'il avait l'intention d'amener Adam à réaliser où il s'était mis lui-même de par ses actions. Donc quand Dieu te pose une question, il a déjà la réponse. En fait, c'est pour que toi-même, tu réalises l'état de ton cœur par rapport à la question qu'il t'a posée. Est-ce que ça va? Et la question ce matin, c'est, m'aimes-tu vraiment? Et si tu voulais attendre votre réponse, j'en suis sûr, chacun d'entre vous dira oui. Quels sont ceux qui aiment vraiment Dieu dans la salle? Évidemment, alléluia. Et même quelqu'un me dira, non, si je n'aimais pas Dieu, je ne serais pas ici. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Amen. Tout le monde dit, ok, j'aime Dieu. Mais regardez ce que Jésus dit. Il dit, répondant aux pharisiens, qui voulaient savoir quel était le plus grand commandement de la loi, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force
et de toute ta pensée. Donc, Dieu veut qu'on l'aime. Et c'est la raison pour laquelle il a même répandu son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Quand on est né de nouveau, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur. Dieu veut qu'on l'aime. Aimer Dieu, c'est ce qu'il attend de nous, qu'on l'aime. Pas qu'on le serve, mais qu'on l'aime avant de le servir. Dieu veut qu'on l'aime. Et il dit de tout notre cœur. Donc quand Dieu est en relation avec un humain, son intention, c'est de prendre tout le cœur, afin que le cœur soit totalement submergé, rempli, inondé de l'amour de Dieu. Et je déclare sur ta vie ce matin que cela est ton partage au nom de Jésus. Et vous savez, quand vous aimez Dieu, cela est perceptible par votre passion, par votre zèle, par vos sacrifices pour Dieu, par votre révérence, le respect profond, l'obéissance totale que vous exprimez à l'égard de ce Dieu que vous aimez. Tomber amoureux de Dieu, c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse arriver à un être humain sur terre. Je vous garantis, tomber amoureux. Car l'amour de Dieu, consumant ton âme, embellira ton existence et révélera la gloire de Dieu qui est rattachée à ta personne. C'est par cet amour-là. Vous rappelez du texte qui déclare, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Quand vous aimez Dieu, il y a des choses extraordinaires qui vous arrivent parce que vous l'aimez. Et vous voyez, Jésus dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que la loi qui a été donnée à Moïse a été donnée aux hommes pour une seule intention, que les hommes aiment Dieu. C'était le but de Dieu. Pas simplement, ce n'était pas une loi qui était justement pour régir la société. Non, elle allait au-delà. C'est que l'homme puisse aimer son Dieu et démontrer cet amour par l'amour qu'il a vis-à-vis de son semblable. C'était ça l'intention de Dieu. Et il dit aussi les prophètes, c'est-à-dire tous ceux qui sont venus et qui ont annoncé la venue de Jésus, l'intention de Dieu était une seule chose, que l'homme aime Dieu. Donc tout ce qui s'est passé, c'était de ramener le cœur de l'homme à Dieu. Par miracle, par la puissance, par la richesse, par l'élévation, par la gloire, mais à Dieu. C'était ça l'intention de Dieu, ramener le cœur. Que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et voyez-vous, ce que nous devons comprendre, c'est que la loi a été précédée par la foi. Et si la loi a été donnée à Moïse, c'est parce qu'un homme a eu foi en Dieu. Et une promesse lui a été faite. Cet homme s'appelait Abraham. Et la Bible dit dans Genèse 22, versets 17 à 18, « Je lui ai dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. » Oh, j'aime ça. Il dit, « Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. » Ce matin, je déclare sur ta vie que ça, c'est ta portion. Quelqu'un dit amen. Amen. Donne-moi un très bon amen. Amen. Écoute-moi bien, quand on dit des choses comme ça, quand on dit amen, il faut dire amen. Parce que tu ne peux pas imaginer ce que ça peut faire dans le monde spirituel quand ton amen est un bon amen. Je peux entendre un très bon amen. Amen. On dit ta postérité possédera les portes de ses ennemis. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, aucun de mes ennemis n'aura jamais raison de moi. Et aucun de tes ennemis n'aura jamais raison de toi. La Bible dit la postérité d'Abraham possède les portes de ses ennemis. Alléluia. Tu entreras dans le camp ennemi. Tu résideras même dans la maison de ton ennemi. Tu t'asseras à sa table et deviendras un puissant à cause de la promesse qui est rattachée à ton existence.
Nous ne sommes pas de ceux qui ont peur de leurs ennemis. À cause de la promesse, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et toutes les nations, les ethnos, les tribus de la terre seront bénies après Abraham. Donc, bien-aimés, à l'église, nous ne sommes pas là pour fabriquer les bénédictions. Nous sommes là pour vous montrer les codes d'accès aux trésors qui sont les vôtres. Que quelqu'un dise, il y a des trésors qui me sont réservés. Je cherche les codes d'accès et je les ai par les enseignements de la parole. Et moi, je jurerai de toutes mes bénédictions sur la terre. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux d'entendement et de compréhension. Dieu n'a jamais eu un problème avec la bénédiction. D'ailleurs, c'est une promesse ferme et irrévocable. Il a juré par lui-même. Donc, tu n'as pas besoin de devenir blanc. Reste noir comme tu es. Si tu es blanc, tu n'as pas besoin de devenir noir. Tu n'as pas besoin de délocaliser pour aller où tu es. Où tu veux aller, non, là où tu es, la bénédiction de Dieu te trouvera à cet endroit parce que Dieu l'a promis. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Tu es venu sur la terre jouir de la promesse que Dieu a faite à ton père Abraham. Dis, j'ai une alliance. Amen. Dis encore, j'ai une alliance. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous voyez, combien de personnes parmi nous ne seraient pas heureux que Dieu apparaisse et dise, oh, est-ce que tu sais, Marguerite, je te promets, je te le jure par moi-même, je vais t'arroser de grâce, je vais te faire avoir des jets privés, tu seras la femme la plus puissante, tu auras un ministère incroyable, etc. Les gens veulent bien l'entendre. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez faire parler Dieu? On y arrive. Quand Dieu dit, je ne fais exception de personne, ça veut dire que chaque fois que vous avez vu Dieu faire quelque chose avec quelqu'un et qu'il vous a relaté qu'il l'a fait, vous y avez droit aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardons dans Genèse 22 pour que Dieu dise des choses pareilles à Abraham. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Genèse 22, versets 1 à 2. La Bible dit, après ces choses, une autre version dit après ces événements. Donc après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ça veut dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées avant que Dieu n'éprouve Abraham. D'accord? Il dit, Dieu l'appela Abraham. Il répondit, me voici. Mais de quelle chose il s'agit? Dieu apparaît à Abraham. Abraham est âgé de 75 ans. Et Dieu lui dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Dieu parle à Abraham qui habitait chez Terach, qui était son père et adorateur d'idoles. Bien-aimé, tu peux être dans l'idolâtrie, vautrer dans le péché, et puis Dieu vient te parler. Parce qu'il t'aime. Il sort de là. Viens, j'ai un plan pour toi. Viens, j'ai une histoire avec toi. Viens, Abraham. Et la Bible dit, Dieu, Abraham sortit de sa maison, de sa patrie, de la maison de son père, et il alla là où Dieu l'envoie. Seulement que quand Abraham est sorti, si vous notez bien dans Genèse 12, vous allez vous rendre compte qu'Abraham est sorti avec des biens. Abraham n'est pas sorti les mains vides. Donc Abraham avait un père qui avait un peu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc il a pris et il est parti avec. Donc Dieu n'a eu aucun problème. Il n'a pas dit à Abraham, laisse ça ici, non. Au contraire, Abraham a commencé à prospérer de façon insolente. Chacun avait des biens au point où il commençait à se battre. Lui-même, son neveu, avait lui-même des serviteurs. Donc là, ça a commencé à s'accroître et ils se sont séparés. Et donc, Dieu dit à Abraham, reste calme, je suis ton Dieu, je marche avec toi. Un jour, Dieu dit à Abraham, Abraham dit à Dieu, mais Dieu, tu es là tout le jour, tu me dis, tu es avec moi, mais voici le problème que j'ai, je n'ai pas d'enfant. Dieu regarde Abraham, il dit, Abraham, reste calme, j'ai parlé, je suis Dieu. Quand je donne ma parole, je vais échouer ma parole. Abraham dit, ok. Et il rentre, il parle à Sarah, il dit, oh non, Dieu m'a dit qu'il veille sa parole. Sarah dit, ah, j'ai compris. Dieu m'a mis hors jeu. En fait, Dieu est en train de te dire de prendre ta servante Agar. Parce que dans la tradition, quand un homme n'avait pas d'enfant avec sa femme, la servante lui était proposée pour qu'elle puisse avoir une postérité. Donc Agar, qui en ce moment est vraiment le symbole de la tradition et de la religion, va proposer à Abraham ce que la tradition dit. Et Abraham, sans tenir compte de la parole que Dieu lui avait donnée, va donc aller vers Agar. Et ils vont avoir un enfant qu'on appelle Ismaël. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler de lui, c'est l'ancêtre de Ben Laden.
C'est l'aïeul de Daesh. Donc, voilà qu'il met le sang, on lui donne. Il y a cet enfant. Et c'est 11 ans plus tard. Et Dieu apparaît à Abraham. Il dit, Abraham, Abraham, marche devant ma femme et sois intègre. Pourquoi il dit ça? Il dit, Abraham, quand je fais la promesse, je ne tiens pas compte des circonstances environnantes pour tenir ma parole. Je suis Dieu. Je parle et la chose arrive. Tu n'as pas besoin de m'aider quand je te fais une promesse. Crois simplement. Et donc, Abraham continue sa marche. De la naissance d'Ismaël, il va s'écouler 13 ans après, c'est-à-dire 24 ans après la sortie d'Abraham de la maison de son père. Abraham est donc âgé de 99 ans. Il est fatigué, physiquement épuisé. Sa femme aussi, qui elle a 89 ans. Ils avaient 10 ans d'écart. Et donc, là, sa femme a subi les outrages de la société. On l'a appelée la stérile. C'est elle qui a le problème dans la famille. Peut-être que la belle famille m'a envoyé des messages pour dire, tu es encore avec cette dame-là qui ne t'apporte pas du bonheur. Elle n'enfante pas, elle ne fait pas ça. Vous imaginez ce que les hommes sont capables de dire en ce moment? Mais Sarah était là. Vous savez, bien aimé, laissez-moi vous dire ceci ce matin. Ce n'est pas parce que la promesse que Dieu t'a faite dure que Dieu a oublié. Non. Et que Dieu a refusé. Non. Tu n'as pas besoin de fabriquer toi-même le miracle. Celui qui t'a donné sa parole veillera sur elle et l'accomplira lui-même dans ta vie. Je le déclare au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Souvent ça dure parce que Dieu te réserve le meilleur. Il prend son temps. Quand il s'apprête à faire quelque chose de spécial, il prend son temps. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ne te décourage pas, ce que Dieu t'a dit que tu verras, tu le verras. Quel que soit l'âge, tu le verras. Et donc, voilà que Dieu pour raccourcir le témoignage. Quand Abraham est âgé de 99 ans, sans Viagra, sans assistance in vitro, rien du tout, il tombe, Sarah va tomber enceinte. Et vous savez, bien aimé, je vais vous dire ceci. Si nous sommes vraiment des fils d'Abraham, nous devons croire aux promesses que Dieu a faites à Abraham. Vous ne pouvez pas être dans cette salle et vous avez 50 ans et vous commencez à dire j'ai des problèmes d'impuissance sexuelle. Ça, c'est la science qui vous le dit. Non, votre père Abraham était en forme à 100 ans. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et je parle à ton membre, je dis, membre, tu ne dois pas te taire. Continue ton job. Amen. Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tous les membres de ton corps, tes oreilles, ton nez, ta bouche, tes pieds, etc. Quand quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Vous devez croire à l'onction de la jeunesse. Ou du rajeunissement. Certains d'entre nous n'y croient pas. Croyez-le. Tu ne vieillis pas. Tu rajeunis. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Refusez de voir la vieillesse avec vos yeux. Tu rajeunis comme l'être dans sa présence. Tu n'as que 50 ans et tu commences à dire je suis vieille. Ta vie ne fait que commencer. Amen. C'est pas parce qu'il y a un cheveu blanc qui est apparu sur la tête que tu as vieilli. C'est l'expression de la gloire de Dieu qui déteint tes cheveux. C'est pas la vieillesse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis, je ne suis pas vieille, je ne suis pas vieux, car l'Éternel est avec moi et il me rajeunit tous les jours. Alléluia! Regardez le jeune homme de 19 ans que je suis. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen! Croyez en cette onction, vous allez vous rendre compte que la vigueur va envahir vos membres. Si vous regardez ma photo quand j'avais 22 ans et maintenant je suis plus jeune qu'avant. Et pour être sérieux, j'ai gardé le même poids, les mêmes tailles d'habits. Le pantalon que je portais il y a 20 ans, je porte, c'est la même chose. Pas un seul gramme en plus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La main de Dieu est sur toi, dis la main de Dieu est sur moi. Dis encore la main de Dieu est sur moi. Et la promesse que Dieu m'a faite s'accomplira. Alléluia. Saisis-la par la foi. Amen. Si Dieu l'a fait avec Abraham, il le fera avec toi. Si Sarah est tombée enceinte, ah non, il n'y a aucune chose que le ciel te refusera. Amen. Et donc,
Voilà que Sarah est tombe enceinte. Sarah a un enfant. Il y a une fête dans le quartier. Les gens courent de partout. Les gens viennent des villes environnantes. Oh, Sarah a accouché. Vous savez, il y a des gens, des événements qui t'arrivent, ça passe de façon anodine. Mais il y a d'autres, Dieu lui-même s'apprête à donner un tel écho à la chose qu'il va d'abord laisser les gens parler et parler et parler et parler. Et quand ils ont saturé les mauvaises paroles, et quand tout est noir, il dit que la lumière soit. Amen. Fais comme ça si c'est ton partage. Ta promotion est accordée. Ta prospérité est relâchée. Ta richesse t'est donnée. Ton repositionnement s'accomplit. Parce que mon Dieu n'a pas failli et ne faillira jamais. Au nom suprême de Jésus, donne-moi un autre amen. Et voilà donc que ce fils grandit dans la maison, saturé de l'amour de son père et de sa mère. Imaginez sa mère. Elle le prenait, elle le chouchoutait. Elle le choyait. Et là, à table, quand Ismaël arrivait de temps en temps, pour vous rendre compte que quand la mère voulait servir le repas, elle prenait l'assiette et elle posait d'abord, elle demandait d'abord à Isaac de manger en premier. De temps en temps, Abraham se fâchait en disant, c'est quand même le grand frère. Elle dit, non. Mange, serre-toi. Vous savez, quand la femme est pour toi, quand la femme est de ton côté, dans la maison, même le ciel va être avec toi. Allez demander à Jacob ce qui s'est passé. Quand la mère prend position pour un fils, ce fils-là, il risque d'aller trop loin. Donc, que ta mère prenne position pour toi. Amen. Donc, c'est très important. Alors, ce qui se passe, c'est que cet enfant va grandir. C'est là qu'il va dire à Abraham, au verset 2, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Regardez bien. Prends ton fils, ton unique. Normalement, Abraham n'avait pas un seul fils. Il en avait deux, normalement. Mais Dieu dit, prends ton fils, ton unique. En d'autres termes, je ne considère pas ce que tu as eu sans moi. Il y a des gens, on demande, combien tu as dans ton compte bancaire? J'ai 230 millions. On dit à Dieu, combien il a? Il a 500 000. Parce que les autres, je ne t'ai pas dedans. Prends ton fils, ton unique, celui qui vient de la relation d'alliance. Celui que tu aimes. Donc Dieu précise, celui que tu aimes. Et va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste, celui des montagnes, que je te dirai. Ce fils était l'héritier d'Abraham. Le seul qu'il a eu avec Sarah. D'énormes promesses étaient rattachées à sa personne. Mais le voilà redemandé par Dieu pour mourir comme un vulgaire sacrifice sur l'autel. Ce n'était pas une question facile. Mais ma Bible dit, c'était une épreuve. Dis à ton voisin, une épreuve. Encore une épreuve. Est-ce que vous savez que Dieu nous éprouve? Dans ce sens-là. D'accord? C'était une épreuve pour voir comment est-ce que Abraham allait se comporter. Donc, vous voyez, je suis certain que Abraham n'a pas raconté ce qui s'est passé à Sarah. Certain. Parce que s'il avait dit à Sarah, Sarah serait allée voir les voisins pour dire, Benemede, elle aurait appelé la famille. Abraham est entré dans une secte. Il demande, depuis quand on a vu Dieu demander un homme? Il y a plein de moutons ici. Donne les moutons, les bœufs, tu ne touches pas mon fils. Ça, c'est clair. Et on allait appeler le chef du village, on allait appeler les gens à côté, les gens de famille, on allait dire à Abraham, écoute, ta femme a raison. Bien aimé, il y a des moments où Dieu te met dans l'embarras. Si tu veux demander l'avis des gens, je te garantis que Dieu semblera avoir tort. Tu comprends ce que je suis en train de... Non, il dit non, donne-moi ce fils. Pose-le sur l'autel. Sur la montagne que je te dirai. Et moi, ce qui m'intrigue encore un peu plus, c'est que Dieu aurait pu demander ce fils à la maison. N'est-ce pas? Il aurait pu demander ce fils à la maison. Mais il va le demander en disant, offre-le sur une montagne que je te dirai. Pourquoi? Parce que premièrement, il veut donner le temps à Abraham de douter, d'hésiter par rapport à son offrande. Et lui-même de conclure ce que deviendra l'issue de son action. C'est là la foi. Et un texte dira Abraham, quand il a donné son fils, il croyait en lui-même que même s'il mourait,
Dieu était capable de le ressusciter. Donc, Abraham a inventé par la foi la résurrection qui n'existait pas encore. Donc, la résurrection n'est pas venue de Jésus, mais elle est venue d'Abraham. Par sa foi. C'est ainsi donc qu'Abraham va prendre son fils, celui qu'il aime. Voyez-vous, bien-aimés, certains d'entre nous, Dieu nous a donné des choses qui ont pris la place de Dieu. Dieu dit, c'est que celui que tu aimes. Vous savez, Dieu peut te donner une société et la société devient plus importante à tes yeux que Dieu. Dieu peut te donner une femme et tu n'aimes plus que Dieu. Dieu peut te donner un mari et il prend la place de Dieu dans ton cœur. Dieu ne veut jamais que le don qu'il te fait remplace le donateur dans ton cœur. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'entre nous. Voici comment la personne qui n'a rien pris, oh Père, toi-même tu connais mon amour pour toi. Oh Papa, je t'aime. Si simplement tu m'avais béni, je ne serais pas comme la sœur Gertrude. Je ne serais pas comme le frère Franck. Je le vois vraiment, Seigneur, j'ai mal au cœur quand je vois qu'on fait les appels de fonds et puis lui n'a donné que 500 000. Moi, j'aurais donné 5 milliards. Oh, papa, bénis-moi et tu vas voir. Et Dieu te regarde. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, j'ai entendu tes prières. Maintenant, il exauce et il te comble avec quelque chose. Maintenant, l'argent arrive, tu as 5 millions de salaire par mois. Et Dieu dit, apporte-moi 10% par mois. Tu commences à raisonner. Papa, toi-même, tu sais que j'ai ma tante, j'ai mon oncle. Il y a eu funérailles. Telle est tombée malade. Seigneur, ok, on est en mars, je vais donner en mai. Parce que quand je fais mes calculs, et tu oublies qu'avant de calculer, il faut bien penser que tu n'avais rien il y a 2 mois et que Dieu t'a sorti de là parce que tu as bâti une alliance avec ton cœur. Mais tu sembles oublier. Et puis Dieu te regarde. Et il te dit, mais vraiment, c'est vrai que tu m'aimes? Tu m'as dit de ta propre bouche, je t'aime. Maintenant, je t'ai donné ça. Maintenant, tu as de la peine à me redonner. Ou alors, je te nomme. Tu es un grand médecin. Tu es un grand architecte. Une grande personne dans la société. Et puis Dieu te dit, laisse tomber ce que tu as fait. Laisse tomber ce que tu as fait. Viens maintenant. Je vais te montrer ce que tu vas faire. Je t'appelle à me servir. Si tu vas demander la vie de ta mère, elle va te maudire. Oh, 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 oh Seigneur, aide mon fils, il est devenu fou. Pourquoi il est devenu fou? Elle avait déjà calculé ton salaire. À la fin du mois, on va assister. Et puis tu dis, Dieu t'appelle à le servir. Oh, oh, pasteur, mon fils, il a perdu la tête. Vous voyez, souvent Dieu nous met à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve pour voir jusqu'où nous l'aimons. Et aujourd'hui, certaines personnes pensent que aimer Dieu consiste simplement à être positionné par lui. Ce n'est pas vrai. Non, le vrai amour pour Dieu est démontré par notre capacité à sacrifier à Dieu. C'est là la preuve de notre amour. Je vais demander que tu viennes. Par exemple, je te donne cet argent. Mets-toi de l'autre côté. Et puis, je te l'ai donné, tu n'avais rien. J'ai dit, est-ce que tu peux m'apporter l'argent que je t'ai donné? Est-ce que vous savez qu'en faisant l'illustration au premier culte à la fin, celui qui l'a fait m'a dit, même quand tu m'as donné, je ne voulais plus te redonner. Authentique. Donc j'ai dit, apporte-moi l'argent. Vous savez, c'est moi qui t'ai donné. C'est moi qui t'ai donné l'argent. Maintenant, j'ai dit, j'en ai besoin. Et tu commences à réfléchir. Quand Dieu, toi aussi, on est nombreux dans la salle. Pourquoi c'est à moi que tu demandes de donner? Regarde le peu que j'ai. Demande à ceux qui en ont plus. En fait, chaque fois que Dieu te demande le peu que tu as, c'est parce qu'il veut te donner le beaucoup auquel tu aspires. S'il n'avait pas donné Abraham, l'unique, il n'aurait pas eu une multitude de fils. Pourquoi? Parce que ce qu'il te donne en premier n'est jamais le pain, c'est toujours la semence. Il place entre tes mains pour te donner l'opportunité de multiplier et d'avoir au-delà de ce que tu possèdes. Mais ton infidélité dans le peu ferme la porte pour le plusieurs, pour l'abondance. Et que cela ne soit jamais ton partage.
Voyez-vous? Donc, quand il s'agit des paroles, « Oh Seigneur, je t'aime, alléluia. » Et puis, vous savez, les enfants de Dieu ont déjà des formules. « Oh, il n'y a personne qui peut prendre ta place dans mon cœur éternel. Tu es simplement glorieux et magnifique. » Je dis, « Ok, tire ton chéquier. J'aime tellement les phrases que tu es en train de me dire. Tire ton chéquier, signe mon chèque tout de suite. J'ai besoin. Oh, oh non, rien de moi, Satan. Oh, riba kataba. Rien de moi, Satan. » Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. On veut bien que Dieu... Parce que pour nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on dit qu'on aime Dieu, on attend que Dieu nous donne. C'est comme les femmes non converties. Enfin, je crois, certaines d'entre elles, pas vous. Quand elles veulent se marier, oh, elle est au milieu de deux hommes, oh, qui prient. Oh, Seigneur, tourne à la femme, elle regarde à gauche. Elle voit, on a écrit ici, Waterman. Elle tourne de l'autre côté. Elle voit DG. Elle dit, oh Seigneur, tu m'as exaucé. Voici. Tu m'as exaucé. Amen. Alléluia. Tu m'as exaucé. Amen. Le Waterman, il est plutôt très engagé. Il est très sérieux. Amen. Mais c'est tout le monde de DG. Oh Seigneur, je sais que s'il ne m'appartient pas, merci pour ça. Alléluia. Prends ma cadeau si tu veux, me voici. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est formaté à recevoir. Mais dans le royaume des cieux, la Bible dit, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et les gens donc se préparent toujours à recevoir, mais ne sont pas psychologiquement préparés à s'investir et à donner. Et c'est ça le drame. C'est ça le drame. Alors qu'en fait, Dieu veut qu'on donne et qu'on se donne d'abord. Soi-même. Vous voyez, quand Abraham a pris son fils, la Bible dit, celui que tu aimes, regarde. Vous savez, Dieu dit, celui que tu aimes. Il a demandé le fils premièrement, il n'a pas demandé la brebis, il n'a pas demandé Ismaël, parce qu'il ne voulait pas se servir de ce qu'il n'avait pas donné lui-même. Il ne voulait pas multiplier ce qui était une mauvaise semence. Est-ce que vous comprenez l'intelligence qu'il y a derrière? Il ne voulait pas multiplier mauvaise semence. Il dit non, tu vas multiplier ce que je t'ai donné. Je connais la qualité de ma semence. Donc tu me donneras exactement Isaac. Pas autre. Ensuite, il dit, apporte-le sur la montagne que je te dirai. Ça veut dire qu'il donne à Abraham non simplement le temps de douter, mais l'intelligence d'identifier la position de la montagne. En écoutant Dieu. Il sort de sa maison, il marche, premier jour de marche. Il a son fils. Il peut faire demi-tour pour entrer à la maison. En disant, non, dans tous les cas, je ne sais pas pourquoi, dans tous les cas, Dieu, même s'il veut, il me laisse tomber. J'ai dit à mon Isaac. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Après, il continue le deuxième jour de marche. Et le deuxième jour, Dieu regarde. En fait, il pose encore le pas. Il arrive vers Dieu jusqu'au troisième jour. En fait, devant Dieu, ce n'est pas le troisième jour qu'Abraham a donné l'offrande. Ce n'est pas le troisième jour. C'est le premier jour, quand il était encore ici, et que son cœur avait cédé, que Dieu avait reçu Isaac. Mais quand il marche jusque sur la montagne, c'était simplement pour qu'il vienne trouver à la montagne ce qui allait remplacer Isaac, qu'il avait déjà pris le premier jour à la maison. Et c'est pourquoi quand il a levé la main, il dit, il lève la main pour pouvoir tuer son fils. Non. Lève la main pour tuer le fils. Dieu arrête la main. Il dit, hey, stop, ne lui fais aucun mal. Quand je te donne quelque chose, je ne reprends pas. En fait, ce que je reprends, c'est le cœur qui veut me fuir et pour s'attacher à la chose. Ce n'est pas la chose. Garde le fils. Détourne-toi. Regarde derrière. Il y a un bélier. Prends-le. Pose-le sur la montagne. Il n'était pas en train d'organiser le début de la fête de moutons. Non. Non. Mais ce jour, sur la montagne, il était en train de montrer la préfiguration de l'agneau de Dieu qui allait venir ôter les péchés du monde. Que quelqu'un dise Alléluia. Donc, c'est sur la montagne. Abraham dit, j'ai vu le jour de Dieu. J'ai vu. Et j'ai souri. Abraham, vous voyez, votre père, il dit, a vu mon jour et il a souri. Comment? Parce que ce jour
quand Abraham était là, il a vu la croix. Ce jour-là. Et il y a des révélations dans lesquelles vous n'allez jamais entrer tant que vous n'avez pas appris à déposer sur l'autel le sacrifice que Dieu exige. Je vous garantis. C'est quand même, mais pasteur, comment tu fais pour lire la Bible? Bien-aimé, si je te montre les paliers dans lesquels Dieu m'a fait entrer, je te garantis. Vous savez, souvent nous lisons la Bible, il y a des degrés, il y a des dimensions. Mais tout dépend de comment est-ce que ton cœur a cédé à Dieu. Ça t'intéresse? Bien-aimé, vous savez, nous devons apprendre à aimer Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jeune garçon, tout jeune, je mets la carte du monde sur le mur et je commence à prier. J'étais en Sierra Leone, j'ai terminé ma formation missionnaire et je savais qu'il fallait aller dans le monde. Je prie, oh Père, s'il te plaît, montre-moi où je dois aller, montre-moi, Seigneur. Et j'entends une voix qui me dit, je ne t'enverrai nulle part pour le moment. Donne-moi ta famille entière en sacrifice sur l'autel de ta consécration. Je dis, comment, Seigneur? Il dit, je veux que tu organises maintenant, dans cette salle, dans cette chambre, les funérailles de ta famille. Et le Saint-Esprit commence à me parler. Je veux qu'il soit mort dans ton cœur, à ton égard, et que ton cœur soit entier à moi. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas me servir comme je le demande. Et j'ai regardé. Et j'ai dit oui à Dieu. J'ai dit, ok Seigneur, ta volonté non la mienne. J'ai commencé à parler. Et soudainement, j'ai eu une profonde tristesse. J'ai pleuré, des spasmes me saisissent. J'ai commencé à crier, à pleurer. Seul dans la chambre, je pleurais. Et c'était vraiment comme un deuil. Et après avoir pleuré pendant longtemps, j'ai senti un soulagement à l'intérieur. Et c'était comme un lien qui me liait à ma famille qui a été coupé. Pas que Dieu veut que tu détestes sa famille, non. Mais que Dieu prenne la place première. Et que maintenant tu regardes ta famille avec le regard de Dieu. C'est ce même regard que Jésus avait en disant, qui est mon frère? Qui est ma soeur? Ce sont ceux-là qui font ma volonté. Ça, c'était le détachement total des liens qui te relient à ta famille. Vous savez, quand le cordon ombilical est coupé avec ta mère, le cordon est physique, mais spirituellement, il y a un autre cordon qui te relie à ta famille. La preuve, si on commence à dire qu'on va mettre la louange et qu'on commence à chanter embêté, vous allez vous rendre compte que dans la salle, tout le monde n'aura pas les mêmes réactions. Il y a certaines personnes, ils vont tout de suite. Hein? Ou bien le père va commencer à bouger un tout petit. Même s'il veut jouer au sérieux, vous sentez qu'il y a des trucs qui vibrent. Mais pourquoi ça vibre? Parce qu'ils sont rattachés culturellement à cette danse. Ils s'identifient à cette... C'est pour ça qu'il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Donc il y a deux départs. Le départ du pays qui est physique, la patrie qui est culturelle. Pour partir. Si on met une louange... En baolé, vous allez voir chanter quoi? Amen. Et toutes les personnes de la zone, ils vont danser. Avec plus d'enthousiasme et d'entrain. Soyons sérieux. Quand vous entendez quelqu'un parler le dialecte de votre zone d'origine, que vous le vouliez ou non, il y a quelque chose qui frémit en vous. Il y a une identification culturelle à cet endroit. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et c'est pour ça que la démocratie en Afrique, ce n'est pas la démocratie. C'est un choix tribal d'un candidat. Voilà, ça, on ne comprend même pas ce que c'est que... On est là parce que c'est notre frère. Mais ce n'est pas bête non plus, c'est exactement ce que Dieu a fait quand il a créé les langues. C'était pour séparer les hommes. Donc plus il y a des langues, mieux on est séparés. Ne pensez pas qu'en France, on ne parlait que le français. Souvent, les païens comprennent certaines lois spirituelles mieux que nous. Et qu'on a lutté pour que les nations africaines ne parlent pas le même langage. Et qu'on nous a laissé avec les 75 ethnies. Tu traverses juste 5 km, le langage a changé. Tu travailles ici, le langage... Comment vous voulez que les gens pareils se comprennent? Il y a tellement de clivages. Mais nous sommes tous unis en Christ Jésus, par son sang précieux. Et nous parlons le langage de sa parole. Lève ta main droite, dis je suis d'en haut. J'appartiens à Jésus. Je suis une nouvelle création.
on doit prouver notre amour à Dieu. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Moïse est destiné au trône. Moïse est brillant. Moïse est intelligent. Moïse sera le successeur de Pharaon désigné. C'est le seul au poste. Et Dieu lui dit, maintenant, j'ai besoin de toi. Je vous garantis qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient dit oui. Quand vous entendez, Dieu dit, un homme de foi, Moïse est venu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ce n'est pas juste des phrases. C'est un renoncement profond à certains avantages. Il était là, puissant en Égypte. C'était la nation la plus puissante du monde. C'est comme si on vous dit, vous allez remplacer le président Barack Obama. Et puis Dieu vous dit, je veux que tu sois mon pasteur. Il n'y a même pas d'église encore. Il dit, on va aller au désert, on va passer 40 ans de formation. Vous pensez que qui va accepter des choses pareilles? 40 ans de formation, on va dire, mais il est fou. Oui, bien sûr, Dieu a souvent voulu frapper de folie la sagesse du monde. C'est comme ça que Dieu agit. Donc, quand Dieu te parle, il n'a pas besoin que tu comprennes tout, mais que tu crois en tout. Il y a des choses qui arrivent parce que tu as cru, même quand tu n'as pas compris. Mais je peux te dire avec l'expérience que j'ai, minime que j'ai, en 20 ans d'obéissance stricte à sa parole, je peux te dire aujourd'hui, clairement, de prédication de sa parole, 22 ans stricte d'obéissance, je peux te dire aujourd'hui que chaque fois qu'il te parle, il te surprend après. Il ne va jamais te demander quelque chose qui soit contraire à ton bien. Jamais. Jamais. Quand je vois ce que Dieu a fait aujourd'hui dans ma vie, est-ce qu'il continue de faire mon adoration, ma louange à l'égard de Dieu, c'est simplement autre chose. C'est pour ça que je peux avoir des multiples chants nouveaux. C'est tellement abondant ce qu'il fait. Mais c'est au prix de l'obéissance. Vous comprenez? Il a refusé. Il était dans le désert, avec des scorpions et des serpents. Mais la gloire de Moïse a été terrible. Quand vous voyez Moïse arriver devant la mer rouge en disant, hé, gardez le calme! L'Éternel lui-même apportera la délivrance. Il connaissait Dieu. Il y a des phrases, quand les gens parlent, on entend, on sait qu'ils ont entendu quelqu'un dire. Mais il y a des phrases, quand tu entends, tu sais que cet homme connaît son Dieu. Il dit, gardez le calme. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il avance devant la mer, il regarde la mer, il dit, maintenant, hey, Dieu dit, étends ta main, lève la main, paf, la mer se fend en deux. Cet homme-là, le fait que sa main levée puisse fendre la mer rouge en deux, le poids de cette force résidait sur le sacrifice qu'il a consenti avant pour connaître son Dieu. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui viennent à l'église, oh Dieu, tu es merveilleux, alléluia. Et puis bon, elle n'est pas mariée, elle vit avec un homme ou un homme paye son loyer. Même laisser l'homme pour venir à l'église, elle dit, comment je vais faire avec mes mèches brésiliennes, pasteur? Comment je vais faire avec mes ongles, mes vernis? Mes copines vont se moquer de moi. Bien-aimé, je veux te garantir qu'il faut que tu passes par là. On a donc aujourd'hui des gens qui n'ont pas d'amour pour Dieu, qui sont des personnes, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de consistance. Quel prix tu payes? Même un gars, tu ne peux pas laisser. Et quand on dit, reçois la grâce, non, c'est pas le hi ou hé, non, c'est pas ça, hein? Non, bien aimé, amen, c'est pas parce que je tremble quand la présence de Dieu se manifeste que mon cœur a tremblé. Il y a des gens qui tremblent et qui tombent, mais leur cœur reste de fer, dur. Et souvent, il est possible que c'est parce que c'est trop dur que l'esprit tape, boum, se coupe à terre, mais jusque là, le cœur dit, je suis fermé, je reste. Je suis accroché. Seigneur, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Mais Anatole, ne le touche pas. Oh, c'est ma prière. Je t'en supplie. Oui, prends tout, Seigneur. Non, mais pas Anatole, Seigneur. Oui, oui, prends tout. Non, mais pas Josué, Seigneur. Oh, je te donne toute mon âme. Toi-même, tu sais, Anatole vient de toi. Et c'est exactement comme ça que certains chantent. Sérieux. Vous savez que ce que j'ai dit est vrai. J'ai entendu des gens me dire en face, pasteur, tu penses que si ce n'était pas Dieu, Anatole pouvait m'aimer comme il m'aime? C'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu.
J'ai dit, mais Anatole, il est marié. Oh, mais est-ce que Canaan n'était pas occupé? Est-ce que Canaan n'était pas occupé? Pasteur, on va chasser le Philistin. On va chasser le gars qui est là, c'est un Philistin. Canaan, Anatole, c'est mon Canaan. Je vais le posséder. Authentique. Et c'est là où Dieu va te poser la question, m'aimes-tu vraiment? Vous voyez? Donc, vous savez, et c'est pour ça que, bien-aimés, certains d'entre nous, nous aimons en Dieu, mais pas Dieu. Nous cherchons nos intérêts en Dieu, mais pas les intérêts de Dieu. Abraham n'est pas devenu père de la foi parce qu'il a reçu trop d'offrandes. Abraham est devenu père parce qu'il a sacrifié de manière la plus élevée. Les hommes ont donné des brebis, d'autres en ont donné 1000, comme Salomon. D'autres ont posé des cantines d'argent. D'autres ont construit des cathédrales. Mais Abraham a donné son fils. Il n'y a rien de si grand que ça. Il a donné ce qu'il y avait de plus élevé. C'est pourquoi il a été appelé le père de la foi. Alors Dieu te pose la question ce matin. M'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu vraiment? Voyez? M'aimes-tu vraiment? Est-ce que le royaume des cieux passe en premier? Est-ce que le royaume des cieux passe en premier? Est-ce que Dieu a la première place dans ton cœur? Est-ce que la passion de Dieu consume ton âme? Voyez, un jour j'ai posé un acte, Dieu a tellement aimé l'acte qu'il me l'a fait savoir. Quelqu'un m'a gracieusement donné de l'argent. Une voiture m'a été envoyée, une Range Rover autobiographie. C'est beaucoup d'argent cette voiture. Et ça, c'est vraiment la voiture que j'avais envie de conduire en cette saison-là. Et on a commencé la construction du temple. La voiture est arrivée. Elle est restée dans mon parking. Je la regardais, je la scrutais. Prenant, je démarrais les nuits, je faisais un tour dans le quartier. Elle était tellement confortable. Le volant, boum, il s'ajuste. Tu es là, paf, les chaises. C'est tellement une belle voiture. Et puis, mais au fond de moi, j'ai dit à ma femme, je suis trop gêné. Elle me dit, pourquoi? Je dis, je ne peux pas conduire une voiture pareille. La maison de Dieu en construction. Je ne peux pas. Et donc, elle m'a dit, OK, on va regarder dans le parking d'abord, en attendant. Et puis, je reviens une autre fois. Vous savez, vous devez être aussi de bons politiciens. Et moi, j'aime ma femme parce que ma femme, elle suit toujours ce que je dis en termes de sacrifice. C'est quelque chose qu'on a dans la maison. Mais il ne faut pas être brutal. Il faut savoir parler. Donc, je reviens une autre fois et puis je dis, je crois qu'on va vendre ça. Et puis, je vais mettre de l'argent dans la caisse de l'église. Et d'abord, c'est calme au moment. Et j'apprécie. Après, elle a dit, OK, c'est ce que Dieu t'a dit de faire. On le fait. J'ai vendu. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai vu quelqu'un venir donner 2000. J'ai vu d'autres personnes donner 5000 pour la construction. Mais vous savez, ça m'a tellement touché. Quand vous voyez un élève prendre 2000 et donner à Dieu pour la construction, ça m'a tellement touché. J'ai dit, non, je ne peux pas rouler une voiture pareille. Et les gens sacrifient leurs derniers 2000 pour le temple et je roule une voiture de centaines de millions. Je ne ferai pas ça. Non. Je ne le ferai pas. Jusqu'à ce que la maison de l'Éternel soit achevée. Je ne le ferai pas. Donc, on a vendu. Et puis, l'argent a servi à la construction du temple. Et donc, un jour, j'étais en train d'adorer Dieu. Et puis, je pouvais entendre le Seigneur me dire, je suis fier de toi. Je suis trop fier de toi. Je peux te faire confiance. Je suis fier de toi. Vous savez, vous devez agir avec Dieu, gagner le cœur de Dieu par vos actions. Vous voyez ce que je veux dire? Gagner le cœur de Dieu. Il y a des gens qui sont tellement attachés à ce que Dieu donne que finalement, ils ne vont nulle part dans la vie. Et bien aimé, laisse-moi te dire ceci. Ce que Dieu t'a demandé et que tu n'as pas donné, tu finis par le perdre. Et chaque fois qu'il t'a demandé et que tu donnes, tu finis par le garder. Dieu ne va jamais prendre ce qu'il t'a donné. Mais en fait, c'est le cœur qu'il veut prendre en demandant ce qu'il t'a donné. Ce n'est pas ton offrande. Il ne fait pas de courses au supermarché. Il ne va jamais aller faire des coiffures. Il ne voyage pas en avion. Il ne prend pas de train. Il ne mange pas. Il ne boit pas. Donc, honnêtement, pourquoi tu te plains? Il est si merveilleux. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Eh bien, on va baisser la tête. Eh bien, si tu crois vraiment que ce message ce matin... Et là, Dieu a parlé à ton cœur ce matin. Si tu penses vraiment que Dieu parlait à ton cœur ce matin, je voudrais justement que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu. Que tu prennes la décision ce matin vraiment de t'attacher au Seigneur, vraiment. Que tu élèves ta voix et tu parles à Dieu.
Nous avons la tête baissée. Chacun parle au Seigneur ce matin. Là où tu te trouves, vraiment, prends la résolution, prends l'engagement. Dis à Dieu, quel que soit ce que tu demandes, quel que soit ce que tu veux, quel que soit ce que tu attends, quel que soit ce que tu attends de moi, Père, je suis vraiment engagé, mon âme est vraiment dédiée. Élève ta voix vers le trône de la grâce et commence à continuer de parler au Seigneur. Parle de tout ton cœur, fais ce que Dieu te met à cœur de faire maintenant. Parle de tout ton cœur, élève ta voix vers le trône de la grâce, parle à ton Créateur. Oui, pronto, oh, parle à ta place, dis-le-lui, que ce soit ta prière maintenant, dis-le-lui, Seigneur. Oui, pronto, oh, merci, Seigneur. Entre ta main. Je m'adonne tout avec moi. Abandonne, même si c'est avec tristesse, abandonne quand même, oui, Seigneur. Oui, pour tout seul. Oh, demande-le, dis-le, que ce soit ta prière, Seigneur. Oui, pour tout seul. Demander ce matin aux personnes qui sont ici, tu as entendu cette parole, nous avons prié pour vous, nous avons demandé à Dieu, et vous êtes là, j'en suis sûr, convaincu. Tu es là ce matin et tu dis, j'ai envie de donner ma vie au Seigneur Jésus, je veux m'abandonner entre ses mains pour la première fois, je veux accepter le Seigneur dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lève ta main droite vers le trône de la grâce, lève-toi là où tu es, merci, lève-toi où tu es, levez-vous là où vous êtes, levez-vous, amen. Acclamons le Seigneur pour eux. Levez-vous là où vous êtes. Merci Seigneur. Regardez-moi, écoutez-moi. Nous avons beaucoup prié pour vous sans vous connaître. Et ce jour n'est pas au hasard. Vraiment pas au hasard. Je voudrais que vous levez votre main vers le trône de Dieu, comme ça. Et vous répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est profondément touché. Et ce matin, je suis décidé à abandonner la vie que je menais et marcher sur le sentier de ton amour. Ô Dieu, change mon cœur, car je ne peux pas, par mes propres forces, change mon cœur, change ma vie, donne-moi un cœur nouveau. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Que ton amour, soit placé en moi maintenant. Donne-moi ta vie afin que je vive pour toi pour l'éternité. Merci Éternel, car j'ai renoncé à Satan. Satan n'a plus de place dans mon cœur. Ma vie est à Jésus. Oui, aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prier pour vous, Père, au nom suprême de Jésus. Je vais te rendre grâce pour ta fidélité, que ton nom soit exalté, que ta gloire soit rendue. Père, ce que tu as fait dans nos cœurs, dans mon cœur et dans le cœur de plusieurs, ce miracle, que cela leur soit accordé, change radicalement leur vie et que cette décision les fasse basculer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Qu'ils vivent pour toi, à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen.